Let's learn some French slang today. Aujourd'hui, nous allons apprendre de l'argot français. Hello, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. The thing with a language is that you have to learn not just the grammar and vocabulary, you truly need to learn the expressions, phrases and everyday language that's actually used. Quand on apprend une langue, forcément il faut apprendre le vocabulaire, la grammaire, etc. Mais il faut également apprendre des expressions, des phrases et le langage de tous les jours, le langage qui est réellement utilisé. Slang is a huge part of French language. And it's constantly evolving and changing. L'argot français fait vraiment partie du langage courant. Et c'est un langage qui est constamment en train d'évoluer, en train de changer. So how can you keep up with newer expressions that come out there? Well, you want to ask the younger generations. Donc comment est-ce que l'on peut apprendre, comment on peut découvrir l'argot plus récent? Tout simplement, il faut poser la question aux générations un peu plus jeunes. So what I've done is that we are going to interview a young lady who is going to teach us some newer slang in French. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons interviewer une jeune femme qui va nous apprendre de l'argot français un peu plus récent. Because some of the slang that I use as a teen is certainly not the same slang that she's using. Parce que l'argot que moi j'utilisais en tant qu'ado est certainement pas le même argot qu'elle utilise. Je voulais te poser quelques questions, tout d'abord par rapport à toi, et puis ensuite j'aimerais que tu nous apprennes des expressions plus courantes, un peu d'argot français, et ensuite te poser un peu des questions sur ce que tu fais niveau passe-temps. Est-ce que ça te va? Pas de problème, c'est parfait. D'accord. So guys, we are going to interview Violette. We're going to ask her some questions a little bit about her life. And she's going to teach us some French expressions and some slang. And we're also going to learn some of her hobbies and pastimes. Donc, tout d'abord, d'où viens-tu? Eh bien, moi, je viens de Grenoble. Donc, Grenoble, c'est situé dans les Alpes françaises. So, Violette is from Grenoble and close to the French Alps, in the French Alps. Je suis en classe préparatoire commerce. Donc, je suis en première année de classe préparatoire au commerce. She's starting her first year of college and it's in anything that's like commerce. Excellent. Et du coup, tu as quel âge? Eh bien, j'ai 19 ans dans quelques semaines. OK. So she is 19 years old in a few weeks. OK. Alors, du coup, justement, est-ce que tu peux nous enseigner les expressions que les jeunes disent de nos jours? Eh bien, pas de problème, j'en ai trouvé pas mal. Donc, j'ai séparé ça en 4 catégories pour que ce soit plus simple et pour que vous puissiez les utiliser dans les bonnes circonstances. Super. So, I asked her if she can teach us some slang, the slang that's used by young people nowadays, and she said sure, and she actually divided it in 4 different categories to make it easy for us to understand. Donc, la première catégorie, c'est en soirée. So, the first category is things that you would say in the evenings when or at parties you're at. Donc la première chose, c'est quand tu as beaucoup trop bu, tu dis que t'es morte pilo. C'est assez vulgaire quand même, mais on peut dire donc qu'on est mort pilo. C'est-à-dire qu'on a beaucoup trop bu ou on se met une race. Ça veut dire qu'à la fin de la soirée, on n'est plus du tout conscient de ce qu'on fait, quoi. D'accord. So when you're out for the night at a party, whatever, you had too much to drink. Those are the 2 expressions that you would use that simply just mean that you are drunk. Et donc en fait c'est comme être bourré, mais c'est les 2 expressions qu'on utilise plus. Exactement. Okay. Mais c'est plus que bourré même. Enfin c'est vraiment l'étape d'après quoi. D'accord. So it's even more than being drunk. It's like almost at a point of blackout. Ok. Très bien. Excellent. Donc après il y a 2 expressions à propos de l'ambiance de la soirée. Donc si c'est super bien, on va dire c'est lourd ou c'est déclassé ou même c'est de la frappe. Et alors par contre, si c'est nul et qu'il n'y a pas d'ambiance, il y a des gens qu'on n'aime pas, on va dire c'est claqué au sol. D'accord. So those first 3 that she gave that I'm listing as well below for you mean that you're having a great night. So when you're talking about the ambiance of the night and how you feel that it is, then those first 3 expressions mean it's like almost the opposite of what it means in the sense of like it's great, you're having a good time, versus the last one means like you're having a rotten time, so to speak. Donc après il y a se taper des barres, c'est quand on rigole, et enfin on rigole sans s'arrêter, c'est avoir un fou rire en fait. Quand on dit je me tape des barres, ça veut dire que vraiment on est en plein fou rire et qu'on peut plus s'arrêter. D'accord. So se taper des barres, that's expression still commonly used. It just means when you can't stop laughing because you're laughing so much that it just won't stop. C'est comme un fou rire un peu. Ouais, c'est ça, c'est je me tape des barres, c'est ouais, vraiment, je pars en fou rire. Quand on veut se motiver, on dit allez, je m'enjaille, je me motive et c'est parti. Du coup, enjailler, c'est un verbe utilisé ici pour dire se motiver. So that verb is used to tell yourself that you're going to motivate yourself. So if you need self-motivation, then that's the verb you would use. The thing that's tough with slang is that the spelling can be very tough to figure out just because you really use this in oral conversation. Je répétais un peu ce que tu avais dit. Yeah. Ouais, je comprends quand tu traduis, donc du coup, je vérifie. Voilà, tu vérifies. Ouais. Donc après, la deuxième catégorie, c'est les relations entre les gens. Donc déjà, la relation, juste, il y a quelqu'un qui te plaît, t'as un peu le béguin. Je pense que ça, tu connais, avoir le béguin pour quelqu'un. Donc nous, on va dire avoir un crush. D'accord. So the second category is in terms of relationships and relationships with other people. And so the first one that's kind of become an Anglicism really just means that you kind of have a crush on someone, that you like them. Yeah. Donc après, c'est un charreau, c'est quelqu'un qui va draguer tout ce qui bouge. Donc le mot charreau, vraiment, c'est lui, c'est un charreau, ça veut dire qu'il ne faut pas trop t'en approcher parce qu'il va draguer tout ce qui bouge, quoi. C'est un peu un coureur de jupons. Version actuelle. Donc, a charreau is somebody who's going to like try to hook up with everything that's moving, pretty much. Meaning, like he's going to try to hook up with everyone. That either yeah. He or she. Oui. Yeah. Après, alors pour dire un garçon, on va dire un pélo, et pour dire une fille, on va dire une go. Donc, t'as vu ta go, ça veut dire t'as vu ta copine ou t'as vu la fille. Ouais. Et il est trop beau ce pélo. Enfin, il est trop beau ce garçon, quoi. D'accord. So two really newer expressions to say boy and girl or guy and girl, as you heard and you can see it below in the writing. Excellent. Je connaissais pas ça, moi. Ah, mais non, mais c'est pas des mots qu'on utilise tous les jours. Hein. J'ai essayé de faire marcher mes méninges. Et alors après, une dernière expression qui est tout le temps utilisée, c'est pécho. Pécho, ça veut dire que, en fait, c'est du verlan, c'est choper. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est en couple avec quelqu'un, quoi. On a finalement réussi à pécho, c'est-à-dire que ça y est, on est en couple avec quelqu'un. Donc, pécho is an expression that I used as well, and it has to do with verlan. We explained in a different video how you can inverse syllables and have it's part of a language. But it just means when you're finally like in a relationship with someone, you were able to like fish someone, to get someone. Là, par contre, c'est vraiment que tu as une relation, t'as ken, ça veut dire que t'as une relation sexuelle, quoi. D'accord. So the first one is more can be used in a more general way, in a more broad way. And the second expression is more used in a sexual way if you're trying to get with someone in bed. Yeah. Choper au lit, quoi. Voilà, exactement. Donc la troisième catégorie, c'est dans la vie de tous les jours à la maison. Donc déjà, il y a grailler. Grailler, ça veut dire manger. J'ai graille, ça veut dire j'ai mangé. Enfin, ça peut être un plat normal ou même des petits trucs entre les repas. Enfin, c'est juste manger en général, quoi. D'accord. So the third category, it's more about food and beverages. And so that first expression that she taught has to do with eating or snacking on something. Donc, dans le terme de goûter ou juste manger de tout, quoi? Non, manger, vraiment grailler, c'est dire tu manges de tout. C'est d'accord. Juste, tu remplaces le verbe manger par grailler. Un verbe régulier en ER, ça va? Je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Regular ER verb. Alors, après, il y a j'ai le seum. J'ai le seum, c'est quand il s'est passé un... Ouais, c'est vraiment une expression, ça. Il s'est passé un truc et t'es trop déçu. Enfin, t'as trop le seum. Ton colis, il n'est pas arrivé aujourd'hui. Tu l'attendais vraiment depuis super longtemps. T'as trop le seum. Donc, ouais, c'est plutôt... C'est la déception, quoi. Ouais, voilà, dégoûté, exactement. Ouais, t'as les boules. So, it's like you're expecting to get a package and you didn't get it, so you're just like really pissed off. Or another expression I taught in a different video is avoir les boules. And so same thing. It just means like you're disgusted, but more in the sense of like you're upset, you're bummed. Yeah. Voilà. Alors après, une expression facile qu'on utilise tous ici, c'est ça passe crème. Ça veut dire que c'est tranquille, quoi. Pas de problème, ça passe crème. t'inquiète pas. So that expression, "Sepas crème," just means that, you know, you don't have to worry about it. It's everything's okay, everything's fine. Alors, te bé, c'est-à-dire que t'es bête. Te bé, c'est encore du verlan, donc bête. Donc, s'il y a quelqu'un qui va te regarder dans la rue qui te dit, toi, t'as un te bé, c'est-à-dire que vraiment, t'es bête. Il te considère comme quelqu'un de bête, quoi. Ou con, quoi. Ok. Donc, te bé, ouais. Again, is verlan. So, again, what we talked about, those inversing syllables to create a new word based on a word that already existed, that just means that somebody's stupid. And so when you use it, you're just saying like, hey, are you an idiot or what? And then être con, that was an expression that I've taught you guys before. It's from that same category in a way. It means the same thing. Est-ce que toi tu dis c'est cher quelque chose? Par exemple, c'est cher. C'est cher bien. Ouais, c'est cher bien. On l'a dit, mais je l'entends plus trop. Après, je n'utilise pas toutes. Enfin, genre go, pécho. Enfin, pécho, on l'utilise, mais pélo, go, enfin, je l'utilise pas trop. Ouais. Mais j'avoue que cher bien, on l'entend plus trop. On l'entend encore un peu, mais... Brillant, ça. Je crois que c'est plus... peut-être, ouais. So, I have to use a certain expression, but it's not necessarily from her region. So, expressions can be very specific to certain regions. And one of them with cher, which just means very, is more specific to the region of Lyon, to one of the largest cities in France. Du coup, la prochaine expression, c'est balèque. Balèque, c'est un raccourci de « je m'en bats les couilles ». Donc, ça veut dire « je m'en fous ». S'il y a quelqu'un qui te regarde et qui dit « mais je m'en balèque », ça veut dire « mais arrête de lui parler parce que là, il s'en fout complètement ». Ouais, quand j'étais jeune, on disait bah, « je m'en bats les couilles », mais on n'avait pas le raccourci. Ouais. Quoi. Bah, nous, on raccourcit tout. So, there is an expression I use as a teen that just means like I don't give a crap, or you know, you can replace that word with other words in your mind, but now they have the same expression, but that's just been shortened because that's what a lot of the slang tends to happen. It's just a shortened expression to mean the same thing, which means you just don't give a crap or you just don't give a whatever. Alors après il y a le swag. C'est quand le swag, je pense que c'est comme en américain, je sais pas trop. Quand tu dis quelqu'un qui a le swag, c'est qu'il est bien habillé, il est cool, quoi. Sa façon d'être, et voilà. Ok. So, oui, c'est un peu comme un anglicisme, j'imagine. Ouais. So, oui, je pense aussi. That's probably an anglicism as well. It just means a person is well-dressed and they're really cool and whatever. And also similar is zappé, which just means dressed, and you can say, like, if you're well-dressed or not well-dressed. Vas-y. Alors après, il y en a une que j'utilise beaucoup. C'est Anschlag. Alors là par contre je sais pas du tout comment ça s'écrit, mais je l'écris comme je le prononce. Anschlag, ça veut dire que t'as un jogging, t'as un vieux t-shirt, tes cheveux ils sont pas coiffés, c'est vraiment que t'as pas, quand tu dis un soir oh là aujourd'hui je suis Anschlag, c'est un peu notre tenue du confinement, quoi. Voilà. On s'habille pas bien, voilà, c'est ça. So Anschlag is just an expression that really means when you're not put together, so you're wearing maybe like some sweatpants and your hair isn't brushed and you don't really care about what's wearing, kind of like all of us in the climate right now, right? Alors après, en scred, ça veut dire caché. C'est-à-dire que si tu dis je vais garder mon portable en scred en cours, c'est-à-dire que tu vas garder discrètement ton portable en cours, quoi. Parce que les jeunes font jamais ça, mais non. Non, mais c'était un exemple. Exemple. So that example is saying when you're trying to do something secretly, discreetly, and so like you're trying to hide your cell phone from class, that kind of thing. Something young people never do, right? Yeah. Alors après, il y en a une qu'on n'utilise plus trop, mais je l'ai mis quand même dans la liste. C'est cassos. Quand tu dis que quelqu'un c'est un cassos, c'est-à-dire que c'est un cas social. Que tu n'as pas du tout envie. Au collège, c'était très utilisé, au lycée un peu moins, parce qu'on forcément, au niveau des mentalités, on s'améliore. Ouais. Mais voilà, au collège, quand tu disais qu'il y en a un, c'était un cas social, il n'y avait personne qui allait lui parler, quoi. C'était vraiment le mec très renfermé. Donc voilà, c'était un mot qu'on peut utiliser encore aujourd'hui, mais qui s'entend moins. D'accord. So another diminutive of a word of cas social, it's like your social case, or like you're an issue, and they use it more, I guess, in middle school, and then in high school they start being more aware of not saying that kind of thing. But okay, très bien. Et alors après le dernier, c'est poucave. C'est comme balance. C'est celui qui va balancer. Je sais pas le vrai mot en français. C'est celui qui va balancer et qui va rapporter. Voilà. Poucave, c'est rapporter. Voilà, exactement. So a person that tattletales, that's what you'd say. You have two ways of saying that, which I'm also listing below. The more recent way, and then the more proper way is just rapporter, which just simply means you're a tattletale. Je tendance à utiliser ça beaucoup avec mes enfants en ce moment. Ouais. Ah, t'es une poucave, c'est... Ah, tu fais une poucave, tu viens de dire aux parents que j'avais fait ça. C'est vraiment le truc hyper utilisé, quoi. I use that a lot with my kids lately, but it's very... Excellent, oui, parce qu'en fait, avec un langage, c'est constamment en évolution. Moi, quand j'étais ado, on disait tout le temps « c'est clair », mais tout le temps, c'était « c'est clair, c'est clair ». Et du coup, et moi, en plus, comme mon deuxième prénom, c'est justement « Claire », à chaque fois, je disais « non, c'est pas Claire, c'est Rachel », tu vois, enfin, j'en rajoutais et puis… Ouais, je vois. Non, mais ça, tu vois, nous, on l'utilise plus, enfin, on ne dit plus à outrance comme ça, « c'est clair ». Après, peut-être, enfin… Peut-être au collège, je sais que ça, le langage, il varie beaucoup. Moi, ça fait longtemps que je l'ai quitté, le collège. Du coup, je vois pas trop. Mais même mon frère, quand il me parle, qui est encore au collège, non, on dit plus trop, c'est clair. Ou... Ouais, like, il y a des mots comme ça qui passent. Ouais, bah oui. So when I was younger, an expression that we used a lot was c'est clair, which just means like it's clear, like it's obvious. And since my second name is Claire, actually, then it's always like a play on words with French humor. And so I'd be like, no, it's not clear, it's Rachele. Like, it's not Claire, it's Rachele. I hope you get that. But what Violette was telling us is that the language is different from middle school and then high school. And since she left middle school quite a while back and her brother's still middle school, he has a different language because it's, even if it's constantly changing, there's also different, it's also based on age. Du coup, la quatrième catégorie, c'est à l'école. D'accord. So the fourth category is school. Donc, il y a trois mots pour dire qu'on est très déterminé à travailler, par exemple. Donc, il y a cravacher, charbonner ou être déter. Ça veut à peu près dire que tu vas tout faire pour avoir des bonnes notes. Ouais, charbonner, c'est-à-dire que tu vas vraiment faire que t'as fait. Bah, t'as fait aussi. Du coup, tu vas faire que travailler et bah, voilà, que tu vas t'acharner pour y arriver, quoi. Mm-hmm. So all those four words, expressions that she gave that you're used mostly in a context for school or succeeding at school is really that you're going to work your hardest, that you're going to really put all your effort into the class or whatever you're doing. Super. Yeah, for having good marks. Yeah. Il y a des mots qu'on utilise en langage SMS et qu'on dit à l'oral. C'est-à-dire que là, par exemple, mon frère, il va me dire cc. Cc, ça veut dire coucou. C'est le truc que tu utilises sur les SMS, qu'on n'utilise plus d'ailleurs maintenant. Mais du coup, on va le dire à l'oral. Par exemple, TKT, on va pouvoir dire à l'oral comme ça, c'est t'inquiète. Mais de base, c'était juste des abréviations SMS qu'on va dire à l'oral aujourd'hui, quoi. So a lot of abbreviations, and I also teach this in my classes, that you send in text message form are also becoming more part of daily language. So some of the things that she would just use, like CC means coucou, but there's other words that were just part of something you text someone, and now it's becoming part of the oral language as well. Excellent, ça. Et alors après il y a un dernier mot, c'est les bails, et en fait ça signifie à peu près tout. C'est-à-dire que si tu t'appelles quelqu'un et tu lui dis c'est quoi les bails, il peut te raconter ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait aujourd'hui, les potins de droite, de gauche, enfin vraiment c'est les bails, c'est un mot que tu peux placer partout et qui signifie à peu près tout. Donc en fait quand tu demandes des nouvelles à quelqu'un, en fait ils peuvent te dire de tout. Ouais voilà, si tu lui dis c'est quoi les bails? Ouais, il peut te raconter n'importe quoi en fait. C'est juste, ouais, raconte-moi un truc en gros. Si on traduit. So if you're asking someone, you're like, hey, what's up? You're trying to get some news out of them, find out. They could tell you anything about their life, about someone else. But that's the expression, that the bail word is the expression that they would use to ask for news or to ask how a person's doing and what's new with them. Ah, c'est top. Je ne sais pas. Et alors après, il y a après, il y a un dernier truc, donc qui n'est pas dans les catégories, mais il faut savoir que les jeunes en France... Moi, je le fais aussi. On met des genres et des et tout dans toutes nos phrases. C'est-à-dire que ça ne signifie absolument rien, mais on va commencer nos phrases, on va dire genre le mec il est venu, il m'a regardé. Enfin vraiment, on va mettre des genres au début et des et tout à la fin. Donc c'est un truc à savoir, c'est qu'il ne faut pas essayer de les traduire, mais c'est juste, voilà, c'est des choses qu'on met dans nos phrases par abus de langage, quoi. So two words that are specifically used by a younger generation is one, when you say genre at the beginning of a sentence, it's just saying, it doesn't really have a meaning. It's more like an audible pause, but it's used in the context of saying like, it's just, you use it directly. And then at the end, et tout is just kind of like the end of a sentence, but it just means like, it's like saying dot, 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 and you haven't completed your sentence, but it's the end of the sentence. Plus ou moins. Exactement. Exactement. Argot, super. Ben, merci énormément. Du coup, je voulais savoir un petit peu ce que toi, personnellement, tu fais comme passe-temps. So I wanted to, since she taught us our French lesson on newer expressions, I wanted to ask her what some of her hobbies. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre? Surtout pendant le confinement, j'ai pas mal de temps libre, donc j'aime bien prendre des photos. J'ai eu un bon appareil photo l'année dernière pour mon anniversaire et du coup, j'adore prendre des photos, paysages, fleurs, même les animaux et les portraits. Sauf que bon, quand on est en confinement, les portraits, on a vite fait le tour. Oui. Et puis après, je pense comme tout le monde, hein, les séries. Après, j'ai pas de passe-temps extraordinaire, mais voilà, j'aime bien la photo et voilà. Super. So her main thing, what she really enjoys doing is photography, and especially being confined, it's maybe hard because she tends to do a lot of scenic photography, and she does different nature scenes and so forth. But that's her main hobby. She got a good camera last year, and she's able to use it. And j'ai vu, tu prends de belles, très jolies photos. J'ai vu un petit peu tes photos. C'est gentil. En plus, j'adore la nature. Je trouve que ça vraiment, ça apaise de voir ça. Tu te sens vraiment, si t'as un peu de stress, ça te déstresse direct, quoi. C'est gentil, hein. So I was mentioning that I've seen some of her pictures. They're really nice. When you look at nature pictures like the ones that she takes, it really is stress releasing and it just helps you like relax. Où c'est que les gens pourraient te suivre? Ou, par exemple, est-ce que tu as un compte Instagram photo ou comment les gens pourraient justement voir un petit peu tes photos? Eh ben, j'ai mon compte Instagram photo. So if you want to follow her work on Instagram, you can check out her pictures, and I'm linking it below so you can follow her Instagram. And since it's in French, you can also learn some French in the process. Super. Eh bien, merci énormément Violette de nous faire déjà découvrir ces expressions et tout ça, mais également de partager un petit peu ce que tu fais et ta vie, quoi. On apprécie beaucoup de te voir. De rien, ça m'a fait super plaisir. So what did you guys think? Did you learn some good, useful language? I bet you did, and I bet when you hear it, now you'll know what it means. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez vraiment pu apprendre du vocabulaire, des mots utiles? Je suis sûre que quand vous allez l'entendre, vous pourrez le reconnaître. Don't forget to check out Violette on Instagram for her photography that we mentioned. And if you like this video, please do share it. You can comment what you'd like as well. I have another video with some other slang if you're interested. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? N'oubliez pas de suivre Violette sur Instagram, notamment pour la photographie, on avait parlé un petit peu de ça. Et puis, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker. Vous pouvez mettre vos commentaires ci-dessous. Et j'ai une autre vidéo aussi qui parle de l'argot français.